À chaque fois que tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est la faute de qui? Mais le premier réflexe, c'est quoi? Toi ou une autre personne? Ou l'environnement? Sois honnête. Qui est responsable numéro 1? C'est toujours l'environnement. Parce que c'est une façon de trouver une excuse et on se dérobe. Complètement. Pour vous préparer à une vie réussie. Résiliente. À 110% heureuse. Une vie heureuse. Toi, une vraie vie heureuse. Eh bien, vous avez besoin de stratégies intégrées. Qui fonctionnent. De recettes. Faites un gâteau au chocolat, j'ai besoin d'une recette. Je ne vais pas la réinventer. Le grammage, les ingrédients, la température de cuisson. Vous reprenez des recettes. La vie est trop courte. Et vous avez besoin de stratégies pour votre réussite personnelle et professionnelle. C'est un mensonge, ça, qu'il faut uniquement réussir dans la vie professionnelle. C'est faux. Tu rentres chez toi, tu regardes tes enfants et tu dis à tes enfants « Papa, il n'était pas là aujourd'hui parce qu'il était au travail. » Mais papa, il n'aime pas son travail. Et voilà pourquoi ce soir, papa, il essaie de sourire, mais il n'y arrive pas. Et inversement pour maman. Et puis, vous êtes très bien en famille, mais donc là, évidemment, au travail, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Au travail, vous êtes très heureux au travail, mais pas heureux en famille, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà pourquoi vous avez besoin d'une approche holistique dans votre vie. De croire qu'il faut uniquement développer un seul département dans notre vie, c'est une erreur.